Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de West Knight Second Edition. Donc West Knight Second Edition, c'est un jeu post-apocalyptique. J'avais, il me semble, récupéré la première édition en promo sur Philibert une fois, et le jeu avait des promesses sympathiques, mais n'était pas vraiment jouable en solo. C'était vraiment un jeu compétitif. Et cette fois-ci, on a un jeu qui est à base de scénario, qui est plus narratif, qui se joue de 1 à 4. Alors je ne sais pas si la partie multijoueur est quand même compétitive ou pas. Je vais vérifier ça ici parce que je ne me rappelle plus trop du KS. En tout cas, celui-là, on pourra jouer en solo a priori. Donc, carton super sympa, hein, l'emballage extérieur est super sympa. Vieux carton, on met déjà dans l'ambiance. Et on ouvre cette boîte. Belle boîte bien protégée aux quatre coins. Alors normalement, il y a un cello que j'ai retiré. Histoire de vous épargner le bruit du cello. Alors, cette boîte de West Knight. Je ne sais plus si j'ai encore le premier ou si je l'ai revendu. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une publicité pour un Kickstarter qui devrait arriver, apparemment. Ce Shadow Planet. Ok. La pub pour un prochain Kickstarter. Ensuite, lore guide. Donc ici, on va avoir donc le lore du jeu. Avec des cités, c'est bien, on peut profiter en même temps des graphismes. Landmark, c'est le lieu qu'on pourra visiter, j'imagine. Des gangs, comme dans tout jeu, comme dans tout bon jeu post-apo, il y a toujours des gangs, des factions et des choses comme ça. Puisque après l'apocalypse, les gens ont tendance à se regrouper en tribus. Machines, Berserker. Il me fait penser un peu aux abominations dans Zombicide. Des bêtes. Oh, c'est pas un petit résumé du folklore qu'on va pouvoir retrouver dans le jeu. Alors ensuite nous avons un livre de règles et un Kickstarter guide. Ah bah comme ça on va pouvoir. Bah ici il y a des remerciements aux backers. Et les différents add-ons qui existent dans la version Kickstarter. Donc je ne sais pas si le jeu partira en retail ou pas. Mais du coup, on a les différents stretch goals, les add-ons. Et donc il nous explique comment sont utilisés ces différents composants sur un truc à part, ce qui est pas mal. Et la partie des bonus pour le Kickstarter. Donc ils font sûrement une version retail. Et ici, ce qui est en plus pour le Kickstarter. Ensuite, on a un livre de règles qui présente les différents composants. On voit déjà le plateau, à quoi il va ressembler. Pas très grand plateau, j'ai l'impression. Des figurines. Différents matos. Un truc pour récupérer les cartes. On met en place... Alors, ça j'aime beaucoup. On découvre les composants, on met en place le jeu, on met en place les joueurs. Et voilà comment on joue le jeu. Ça j'aime bien, c'est dans le bon ordre. Alors la doc est pas super grosse, donc je sais pas si c'est parce que c'est très simple ou parce qu'il y a des manques en termes d'interaction, on verra ça. Beaucoup de texte, pas beaucoup d'illustrations forcément, mais bon, c'est pas non plus un gros livre de règles, donc ça devrait aller. On a des punchboards, donc les punchboards, un petit test habituel, ça se dépunche bien pour les gros. Maintenant je fais un double test. Je dépunche les gros. Généralement, ils se dépunchent facilement. Et le plus intéressant, c'est quand c'est vraiment très petit ou très fin. C'est là où parfois on peut avoir des soucis. Là, il n'y en a pas. Ça se découpe bien, c'est bien prédécoupé. Est-ce que j'ai plus petit? Ça, non. C'est toujours aussi bien. Bon. Ah, si, on a peut-être plus petit. Je me méfie des petits composants quand même. Non.
super bien. Bon découpage, bon punch. Je commence à les perdre. Par contre, ils sont pas recto verso. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Pas tous recto verso, donc c'est sûrement volontaire. Pour cela, en tout cas, j'ai une face jaune et une face avec le petit symbole de radioactivité. Le plateau de jeu. Ici, on a le card holder. On peut mettre les cartes dessus. Le plateau de jeu. Qu'est-ce qu'il nous dit, le plateau de jeu? Il est grand, quand même. Ah, s'il est énorme. Il est beaucoup plus grand. Alors, le premier plateau était modulable. Je crois qu'on avait des tuiles. Et on avait des tuiles qui encadraient le plateau. Je vous ai essayé d'y rejouer une fois. Et là, par contre, on a une carte fixe, mais qui est beaucoup plus grande que le plateau original. Donc, il n'y a qu'une seule face. Mais c'est assez spacieux. Donc, vous voyez la taille de la boîte et la taille du plateau. On a 4 fois, 6 fois la boîte quasiment. En termes de plateau de jeu, c'est pas mal. Avec de l'hexagone, j'aime bien. Alors ici on a un Book of Tales qui est donc sûrement la plus grosse, le plus gros boulot du jeu. C'est une sorte de livre dont vous êtes le héros, donc c'est en anglais. Je crois que c'est une traduction hein, en anglais. Donc nous, les erreurs de traduction, c'est pas très grave quand c'est des erreurs de vocabulaire, de grammaire. Généralement, quand c'est pas notre langage, on s'en fout, on les voit pas tout le temps et on comprend quand même. Un avantage, ça nous heurte moins. Donc, les règles de priorité, l'introduction, comment est-ce qu'on fait, et les chapitres. Donc j'imagine que, plutôt que d'avoir des cartes ou autres, on aura des chapitres qu'on pourra aller voir, qui feront l'histoire. Ici, on a Outback Chronicles. Donc ici, c'est quoi? Bah, ça permet de syncher une note. On a. Sympa. C'est rare qu'on les utilise. Je ne sais pas si c'est vraiment un bon truc dans les jeux d'avoir ce genre de cahier. Parce qu'on les utilise rarement, parce qu'on ne veut pas détériorer le matériel de jeu. Donc on fait souvent des copies. Et du coup, est-ce que c'est pas mieux de faire une seule fiche qu'on pourrait copier? Je sais pas. Ensuite, le guide, West Night Guide Guide. Et ben là, il y a du taf. Ah, c'est peut-être les scénarios, ça. Parce qu'à chaque fois, je vois un setup. Donc peut-être les scénarios du jeu, différents scénarios. C'est sympa, donc il y a une mise en place. Peut-être des caractéristiques d'un monstre ou d'un boss qu'on va rencontrer. À voir comment c'est utilisé. Donc un cahier supplémentaire, c'est bien, c'est en spirale, c'est pratique. C'est pratique parce que ça permet de rester sur la page. Et c'est pas très grand, ce qui fait que ça ne s'abîme pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des fiches de personnages, j'imagine. Avec un background derrière. Une petite illustration sympathique, hein, avec le dessin du personnage au milieu. Slasher. Apparemment, il y a des classes aussi, il y a scientifique, slasher, Trailblazer, Spirit Warrior. En termes d'illustration, c'est pas le top. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais ça fait le taf. Et on va voir les figurines qui sont juste après. Ça me fait un peu penser aux illustrations de Shadowrun. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc les figurines, on passe aux cartes. Par contre, les figurines ont l'air sympa. On l'air bien sympa. Assez détaillé. Donc là, on a une sorte de... Ça fait un peu référence à un trône avec différentes armes, mais là, c'est des armes à feu. Ce sont des armes à feu. Avec un mutant sûrement sur le trône. Le grand méchant. Et ensuite, les différents personnages, j'imagine, qui sont assez détaillés, un peu des traces de moulure, ou... Ah non, c'est la découpe de la robe. Je vais vous les présenter toutes, parce qu'elles ne sont pas nombreuses, donc on peut les admirer. Ah, j'aime bien celle-là,
C'est pas une pose dynamique, mais elle est bien foutue. On voit tout l'équipement. Bah, elles sont pas trop mal, je trouve, pour un. Ça semble avoir beaucoup de détails. Encore des figurines à peindre. Ah, et le fameux avec tout son bardage sur le dos. Donc c'était la première fiche de personnage qu'on a vue, je crois. Et voilà. Alors, il y a encore d'autres figurines, c'est peut-être des suppléments du Kickstarter. Bon, elles sont prévues dès le départ aussi. Ouais. Un autre avec deux armes ou un pistolet à. Un poste à souder, j'ai l'impression. Non, elles sont vraiment. J'ai rien à dire sur les figurines, elles sont plutôt sympas. Hein. Un mec avec son chien. Le chien qui a quoi dessus? Il a un sac à dos. Il a du barda sur lui, le chien aussi. Et quelqu'un avec son gun, avec le vent dans le manque. Non, vraiment, les figurines sont très sympas. C'est pas le point important du jeu, parce que des tokens aurait suffi, mais très sympa. Il y a un petit sac West Knight, c'est au pluriel. Donc peut-être qu'on pourra piocher des choses dedans. Des tokens dépunchés. Ah non, mais c'est en bois ça. Donc ça c'est en bois, je sais pas à quoi ça va servir. Alice Offspring, c'est peut-être pour noter des lieux. Alors je sais pas si c'est des lieux qui sont variables dans la. Ah non, ce sont les mêmes lieux. Non, ce sont les mêmes lieux que ce qu'on a ici. Donc, par exemple, j'ai Gangrene qui se trouve ici. Alors je sais pas l'utilité du support en bois, on verra. Ça c'est en bois, c'est pas mal fait. Hein. Ensuite, on a les ressources, j'imagine, qui sont en plastique. Alors, ils vont sûrement remplacer les tokens en carton. Je ne sais pas s'il y en a suffisamment. Donc, on a des munitions. Des trousses de soins, à mon avis, avec la petite croix dessus. Et de l'essence, comme dans tout jeu post-apocalyptique, le nerf de la guerre, c'est l'essence, pouvoir se déplacer. L'essence et l'eau, en principe. On va dire qu'ici, ce sera plus l'essence, comme dans Mad Max. Une paire de dés spéciaux, donc avec un des résultats. Ah, il y a aussi des symboles de. C'est peut-être pour le 1, symbole de poker. Pour différencier les joueurs. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a des véhicules. Moto, différents véhicules, donc je sais pas comment ils seront gérés dans le jeu. S'il n'y a pas de figurine par contre pour le véhicule, mais ils seront associés au gang, enfin aux joueurs, je pense. Des feuilles d'aide pour les combats et pour le tour de jeu du personnage. Et ensuite, ce qui nous reste, ce sont les cartes. On va regarder, il y a différentes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme différentes cartes? Ça risque d'être du scavenge, de ce qu'on peut trouver. Ah non, il y a différents. Apparemment, il y a différentes utilisations. Je sais pas comment ça va fonctionner, ça. Les cartes sont plutôt de bonne qualité. Il n'y a pas de bord, en plus, il n'y a pas de. C'est du plein. Le dessin est en pleine carte, c'est pas mal, j'aime bien. C'est pareil pour ceux-là, d'ailleurs. Les illustrations sont sympas, même style de dessin.
Elles sont presque mieux que ce qu'on a sur les fiches de personnages. Bon, parce que c'est en plus petit, je sais pas. Donc ça ressemble à des cartes rencontres avec des points d'interrogation, sûrement des rencontres aléatoires dans le jeu. Encore un paquet de cartes ici, donc c'est la suite. Là, il y a des cartes numérotées, je ne sais pas à quoi ça correspond. Même principe sur les cartes. Alors, je ne sais pas si c'est des rencontres particulières dans l'histoire. D'autres cartes avec les points d'interrogation. Ah, et apparemment, on va avoir, en fonction de la typologie de terrain, la rencontre. Donc ici, c'est ce qui semble être du désert ou avec des traces. Alors qu'ici, j'ai un peu plus de verdure et de montagne. Donc forêt et montagne pour cela. Parce que sur le terrain, on voit qu'on a de la montagne, de la forêt. Donc je pense que ce sera les rencontres sur ces lieux-là. Et pour le reste, parce que j'ai un autre type de dos. Et pour le reste, ce sera ces rencontres-là. Ou alors c'est là où il y a des traces aussi. Traces et désert. Pour ce deck-là. Donc ça c'est pas mal, ça veut dire que les rencontres sont contextuelles un petit peu. Et qu'on risque pas d'avoir une rencontre souterraine en plein désert. Ici, on a des cartes équipement. Ah non, encore des cartes. Ça, je sais pas à quoi ça correspond, celle-là. Il y a une carte équipement. Ici, il y a des cartes avec des numéros. Donc, je pense que ça peut être des cartes des événements uniques. Ça rejoint ce tas-là. Ah, c'est peut-être vu qu'elles sont mélangées ici. Ouh, j'espère que j'ai pas fait une bêtise, il n'y a pas de warning. Bon, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Elles sont entrecoupées avec des cartes numérotées. J'espère qu'il n'y a pas un ordre à respecter. Sinon, je viens de foutre en l'air l'ordre. Tant pis. Il me reste peut-être les bonus du Kickstarter. Les cartes numérotées, on mettra dans l'ordre. Ici, avec une tâche au milieu. Ah, c'est peut-être pour ranger les cartes par scénario. Et ici, peut-être des rencontres sur la route, éventuellement. Puisqu'on a à chaque fois des lieux qu'on va rencontrer, qui seront peut-être différents en fonction des parties. Et à nouveau des cartes numérotées. Et des cartes de rencontre. Donc voilà, on a deux types de terrain, enfin quatre types de terrain, mais qui sont répartis sur deux tas de cartes. Grand format, carte petit format enfin. Et c'est la dernière chose qu'on va voir dans ce KS. J'allais dire, elles sont faciles à retirer, mais là, je tombais. Ah si, c'est. Donc ça va être tout ce qui concerne les équipements et le loot. Donc tout ce qu'on va pouvoir trouver. Il y en a beaucoup, et je sais pas, elles ont sûrement des utilisations différentes. New Sydney, je sais pas si c'est par lieu, je sais pas comment c'est trié. Je vais les garder en tas. Beaucoup de matériel en tout cas, il y a beaucoup beaucoup de choses. Et ici, il y a un dos qui est spécifique. Je sais pas ce que ça va être, turbo-injecteur. Ah, c'est pour les véhicules aussi. Il y a des équipements, et on peut améliorer les véhicules apparemment. Des cartes qu'on va trouver dans certains lieux. Bref, il y a de quoi faire apparemment dans le jeu. Et il y a encore ici tout un tas de cartes équipement qu'on va pouvoir récupérer, de l'adrénaline et différents effets dans le jeu. Alors les textes sont plutôt petits, hein. Ça commence à devenir dur pour moi. Et voilà, c'était donc l'unboxing de West Knight. Donc un jeu qui est censé se jouer de 1 à 4 personnes. En milieu post-apocalyptique, donc ça résume bien ici la terre dévastée, un véhicule tout refait, tout transformé, et un guerrier solitaire ici. À voir comment ça va jouer en multijoueur, si je peux jouer deux personnages et les faire jouer en coop, ou si je serais obligé de le jouer avec un seul personnage pour le jouer en solo. Je vous dis à une prochaine pour une présentation du jeu West Knight. Ciao, ciao!